Bonsoir pour Tempo.fm en direct du Chacana. Nous sommes avec Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors Anna, explique-nous en quoi consiste ton travail au Chacana. Alors mon travail au Chacana consiste en fait à prendre les réservations de tables la semaine, d'accueillir les clients le week-end, de les installer, de leur amener leurs bouteilles et de vérifier à ce que leur soirée se passe très bien. Voilà. Et est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? En fait, je travaille au Chacana depuis... j'ai commencé à la Villa cet été. Donc à la Villa, j'étais derrière le bar. Et depuis septembre, je fais les réservations de table au Chacana. Bon, apparemment, ce soir, il y a vraiment du monde. C'est pas trop dur? Un peu, mais ça va. Il faut savoir gérer les clients, savoir les faire patienter. Sinon, ça va. Ah, on sait que tu fais ça très bien, Anna. Merci. Bon, et pour cette nouvelle année 2011, tu aurais quelque chose à dire pour les auditeurs de Tempo? Ben, bonne année à tout le monde et meilleurs vœux, que tout se passe bien. Et donc on essaie de faire des soirées pour tout le monde, les plus anciens comme les plus jeunes. Donc voilà, venez nombreux et on se régale toujours tous ensemble. Donc voilà. Et tu connais quelques dates à venir? Alors quelques dates, il y a le 28 janvier The Nicer qui viennent. Ensuite, la semaine prochaine, il y a la soirée Hello Kitty et la soirée Tempo.fm justement. Donc c'est le 22, c'est ça? Voilà. Ensuite en DJ, on aura en février, fin février, le 25, DJ Assad, donc qui est résident sur Énergie, avec, je pense que vous le connaissez. Et voilà, après pour toutes les questions, je m'occupe aussi de la relation client entre le Chacana et les clients, donc Facebook, Anna Chacana, hein, c'est toujours pareil, hein, donc voilà. Très bien, merci Anna et bon courage. Merci beaucoup, bonne soirée.